L'intérêt de faire une maison en biobrique, c'est un intérêt, je dirais, à la fois de comportement thermique, puisque la biobrique permet, je dirais, une bonne inertie de base et donc de permettre une régulation thermique, un confort thermique intérieur intéressant. C'est aussi un produit qui permet d'avoir une isolation correcte du bâtiment sans avoir recours à une isolation rapportée. Hein, donc on a un matériau qui ce qu'on appelle un monomur, hein, qui se comporte, je dirais, thermiquement de manière cohérente. La brique est intéressante parce que c'est un matériau qui est imputrescible, déjà. La brique telle qu'elle est ici, elle permet d'isoler le mur. Il y a d'autres vertus qui sont tout simplement parce que c'est des matériaux naturels, c'est de la terre cuite, hein, c'est de l'argile, à base d'argile. Donc la brique va réguler l'humidité. Alors il existe dans plusieurs épaisseurs. Ici on est avec un monomur de 37 qui est tout à fait cohérent dans les réglementations thermiques en vigueur actuellement et dans la condition climatique qu'on connaît en sud Morbihan, qui est une condition climatique assez douce. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Voilà, on a 29 alvéoles d'air. Alors l'air, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'air c'est le meilleur isolant qui soit. Ça paraît curieux. Ce n'est pas un matériau qui isole, c'est l'air. Alors là, vous avez 29 alvéoles d'air, et puis alors on voit le circuit. L'air, si on voit le circuit de la terre cuite, il fait comme un labyrinthe pour rejoindre l'intérieur du mur. Donc si on s'amuse à mesurer, à se développer, enfin je ne l'ai jamais fait, mais c'est un développé important. L'air qui est ici emmagasine la chaleur. Ça crée une enveloppe permanente et ça permet d'isoler le mur. C'est le principe du monomur, du principe de l'inertie thermique du mur. Dans le conventionnel, on isole les maisons par l'intérieur et on a, je dirais, ce défaut majeur, c'est que quand le soleil va rentrer dans la maison, la chaleur va rentrer naturelle du soleil, on va très vite crever de chaud parce que comme les murs sont isolés par l'intérieur, ils ne peuvent pas absorber de la chaleur. C'est une autre qualité de la brique, c'est qu'en fait le mur, il respire. Le mur, il transpire, il respire. On a ici un mur qui va respirer, donc il va laisser passer la vapeur d'eau. La brique, même si elle est chargée en humidité sur les 3-4 premières alvéoles, elle va faire comme une rétention d'eau, c'est-à-dire qu'en fait, elle va venir à saturation d'eau, même si elle est complètement trempée. Hein. Imaginez qu'il n'y ait pas d'enduit pendant plusieurs années, peu importe. La brique va se saturer en eau et elle va être au point où elle va refouler l'eau, puisqu'elle ne pourra plus l'absorber. Donc c'est vraiment une barrière étanche qui permet au mur de réguler complètement son humidité. On voit que malgré les trombes d'eau qu'il a plu dans les 48 heures, que la brique absorbe l'humidité et ensuite elle la rejette, puisqu'en fait ici toute cette face est complètement sèche. Donc on voit bien que la brique, l'eau est tombée dans les alvéoles, mais malgré tout, l'eau ne rentre plus après parce qu'elle vient, les alvéoles et la terre cuite font, à partir d'une certaine épaisseur et d'une certaine quantité d'eau, rejettent complètement l'eau. Voilà, et on voit particulièrement, notamment sur la partie haute là, en fait la pluie n'a réussi à pénétrer que sur 3-4 cm. Bon. Ça, c'est un des avantages de la terre cuite, c'est qu'elle est capable de réguler l'humidité. Alors là, on a une preuve par A plus B que le mur est complètement sain et propre et surtout jamais humide. On a des maisons qui ne sont jamais, jamais, jamais humides. On part sur une brique qui fait 37,5 de large, qui est à la fois en même temps porteuse, donc elle va porter tout l'immeuble, toute la construction. Elle va isoler dans son épaisseur, donc on n'a pas besoin de mettre une contre-cloison ou une isolation supplémentaire, la brique faisant à la fois l'isolation et la contre-cloison en une seule opération. Donc toute la façade de cet immeuble, de cette maison est exposée au sud, le soleil va absorber, même ici on est en plein hiver, vous voyez, ben les murs ne sont pas froids, quoi. On sent que le mur, même s'il a plu, etc., on sent la brique qui est bien, bien saine. La brique va servir d'accumulateur de chaleur. Elle va accumuler la chaleur et le gros avantage de la terre cuite, c'est qu'elle va la restituer 12 à 14 heures dans le temps. Donc ça permet d'avoir des maisons qui ont quasiment pas besoin de chauffage. Ça sert à la fois d'isolant aussi bien pour le froid que pour l'été. Dans l'habitation, le mur va absorber aussi la chaleur de l'habitation. C'est-à-dire qu'en fait, la cuisine,
tous les éléments électroménagers, toutes les lampes, la chaleur humaine, etc., la brique absorbe cette chaleur et elle va la conserver. On a un avantage technique, on a des maisons qui sont certainement plus costauds, puisqu'en fait on est en résistance à l'écrasement, on est 6 fois plus résistant que du parpaing. Donc ça permet de monter des ouvrages, des types immeubles sans aucun complexe. Et surtout, on a mécaniquement, on est meilleur, puisqu'en fait, on résonne comme un nid d'abeille, comme sur des ailes d'avion, c'est pareil. Donc on a une résistance à l'écrasement qui est beaucoup plus solide. La brique de base, elle a des poignées de préhension, hein, qu'on prend ici ou qu'on prend avec des outils spéciaux de levage. Hein. Donc on lève la brique et on vient tout simplement la poser et l'enquiller sur l'autre, sans aucune colle supplémentaire, si ce n'est la colle qui est posée à l'horizontale. Voilà, 37,5 cm de largeur de mur, 21,2 cm. En multipliant un multiple de 12 briques, je vais avoir un type de maison, de construction, qui va faire 2,50 m sous plafond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2,56 cm, ça nous fait une maison finie de 2,50 m. Donc on a une habitation intérieure de 2,50 m avec une chape de finition de 6. Après, on a un deuxième type de brique qui est celui-ci, qui est une brique qu'on appelle une brique tableau, qui sert à plusieurs fonctions. On l'appelle une brique multiple. Donc la brique fait 30 par 37. 30 par 37. On va casser toute cette partie-là. Voilà. Donc, et dans cet emboîtement ici, là, on va venir positionner ce qu'on appelle le dormant de la fenêtre. Donc la fenêtre va venir ici. Donc ça va être cassé. Ça va être scié. Hein. Et puis on va venir mettre la fenêtre ici. Donc on va avoir une embrasure ici sur l'intérieur de la maison. Ce qui va donner plus de lumière encore. Plus de luminosité à la pièce. Donc on va enlever toute cette partie-ci et on aura le profil de la brique qui est ici, qui va apparaître dans le mur de façon à pouvoir enquiller la menuiserie. Donc la menuiserie va venir ici et on va avoir une embrasure qui va être ici comme ça dans le mur, qui va permettre de mettre un peu plus de lumière dans la maison. Le reste de ces briques servent à faire des assemblages. On prend l'exemple typique où j'ai une brique du format standard qui fait donc 28, et puis si j'ai un poteau d'angle et entre les deux il me manque 9 cm. Donc on a utilisé un morceau de la brique pour venir mettre et maçonner à cet endroit là. C'est vraiment du Lego. Voilà, c'est comme du Lego, voilà, exactement. Parce que les murs ne peuvent pas toujours tomber sur la largeur d'une brique. Une fois qu'on a monté l'ensemble de nos rangs, on va poser ce qu'on appelle une brique de rive, qui va être en rive de la maison, en périphérie de la maison. Et toujours pareil, dans la même technique, hein, c'est une brique en terre cuite, toujours dans la logique de performance économique, de performance énergétique, on va faire en sorte que la dalle en béton ici, elle ne va pas venir en contact avec le mur extérieur. Donc cette brique sert en même temps de rupteur de pont thermique, parce que le plancher va venir, il s'arrête ici. Donc là, on va avoir le cerclage pour le chaînage horizontal et l'enrobé du béton va s'arrêter là. Si on compare avec un mur de 20 cm ici, vous voyez qu'ici mon isolant fait 12 cm déjà. En terre cuite, et donc ce qui fait que on a très peu de place avec un mur en parpaing pour pouvoir mettre, si c'était un mur en parpaing, pour pouvoir mettre à peine dans 8 cm, pour pouvoir mettre à la fois la tête de la poutrelle qui est ici, plus le chaînage triangulaire, ça devient vraiment très complexe, vraiment très complexe. Allez, ballon.
Donc on appelle ça un raidisseur vertical. C'est le squelette de l'angle de la maison. On va couler du béton armé et qui va venir être chaîné dans cette ferraille. Les poteaux ici en béton armé sont complètement enveloppés par la brique. Donc c'est la brique qui sert de moule, on va dire, au poteau armé. Donc ici, on a une brique linteau. Ça, c'est une brique qui permet de faire le linteau de la fenêtre, c'est-à-dire en fait le dessus de la fenêtre ou le dessus d'une porte. Hein. Une brique en U qui va servir de chaînage horizontal pour la maison. Donc ça, c'est la tête du mur, c'est le haut du mur, hein, sur lequel va venir reposer les chevrons et la charpente. Donc l'ensemble du chaînage horizontal qui est ici va être repris dans les poteaux verticaux qui sont ici, qui est ici. Et elle va servir aussi, on la voit là-bas sur le haut de la fenêtre. Donc on voit quatre morceaux de briques qui servent à supporter le chaînage en béton armé du linteau. On va casser une alvéole ici pour augmenter la section de la brique. Voilà, donc ici, je viens d'augmenter la section de la brique. Donc là, on va avoir un chaînage qui va être homogène pour supporter une portée d'une porte ou d'une baie vitrée. Hein. On peut descendre encore le chaînage ici en cassant ces alvéoles-là, de façon à augmenter encore les portées des ouvertures. Le chaînage périphérique a été coulé. Donc il a été coulé dans les poteaux, le poteau ici a été coulé, le poteau vertical, le chaînage vertical a été coulé. Donc il a été repris dans le linteau périphérique qui est ici. Et puis on va reprendre sur les poteaux de la verrière ici. Donc là aussi ça va être chaîné, ça va être armé. Hein. Voilà, les ferrailles sont en attente, prêts à être finies de couler. Voilà, ça offre, c'est ce qu'on appelle le raidisseur, donc ça permet d'avoir un squelette. C'est comme votre colonne vertébrale, comme la colonne vertébrale d'un être humain. Sans colonne vertébrale, le corps a du mal à se tenir. Ben là, c'est pareil.